Les trois meilleurs masques de maïs pour nettoyer la peau et obtenir une peau plus jeune et sans imperfection. Coucou à tout le monde, nous vous apportons la liste définitive des trois meilleurs masques à base de fécule de maïs pour éclaircir la peau et les taches, pour paraître plus jeune et éliminer toute imperfection sur la peau. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur votre chaîne du bonheur, votre pharmacie à domicile sur laquelle on traite de la santé et de la beauté. Je remercie ceux et celles-là qui viennent me donner le feedback des résultats concernant les recettes et astuces Marie-Léonie Coach. Alors, je vous présente aujourd'hui les trois meilleurs remèdes de maison pour éliminer les impuretés du visage et ainsi nettoyer votre peau et lui redonner son éclat naturel. Ceci à base de maïzena, mieux connu sous le nom de fécule de maïs. Je vous présente ces trois masques à base de fécule de maïs pour faire disparaître les taches sur votre visage. Il vous suffira de me dire en commentaire lequel des soins avez-vous préféré le plus. Si vous choisissez l'un de ces masques et que vous le faites de manière constante, je vous promets que les résultats seront visibles en si peu de temps. Mais avant de continuer, si vous me découvrez à l'instant, si vous découvrez cette chaîne à l'instant, si vous êtes tombé sur ma chaîne par hasard et que vous n'êtes pas encore abonné, je me demande bien ce que vous attendez pour le faire. Faites-le, puis cliquez sur la cloche afin d'activer toutes les cloches de notification. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne manquerez jamais aucune de nos publications santé et beauté, ainsi que tous nos posts. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans nos masques. Allez dans votre cuisine prendre votre fécule de maïs, votre blanc d'œuf et d'autres ingrédients dont nous allons voir au cours de la vidéo. Nous parlons plus exactement ici d'une cuillère à soupe de miel, un blanc d'œuf, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs et 20 gouttes d'huile d'amande douce. La préparation est très simple. Prenez un grand bol. Ajoutez-y le blanc d'œuf avec la cuillère à soupe de miel et les 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Après avoir très bien remué, vous obtenez un mélange homogène. Et enfin, nous devons ajouter nos 20 gouttes d'huile d'amande douce correspondant à une cuillère à café d'huile d'amande douce. Pas de panique, si vous n'avez pas d'huile d'amande douce, alors vous pouvez composer votre masque sans cet ingrédient. Voilà mes amours, après avoir composé notre masque, nous avons bien remué, nous devons l'appliquer à l'aide de nos doigts. Faites-le en effectuant des massages doux et circulaires. Laissez agir pendant 20 minutes. Mes amours, sachez que le blanc d'œuf est un ingrédient au pouvoir éclaircissant puissant qui enlève les taches et rend la peau ferme. Mélangez encore avec de la fécule de maïs, alors on obtient l'un des meilleurs masques éclaircissants de la peau, nettoyant de la peau, purifiant de la peau. Et ces ingrédients sont très faciles à obtenir. En plus, il ne coûte pas cher. Après avoir bien massé en faisant des massages circulaires, vous devez laver comme je vous l'ai dit et ensuite toujours penser à hydrater votre peau. Bien, voilà mes amours, je vais laisser le masque sur ma peau parce qu'il faut laisser 20 minutes. Et puis, je vais continuer à vous expliquer comment procéder pour faire vos deux autres masques. Le deuxième masque est de la fécule de maïs mélangée au vinaigre de cidre. Ingrédients, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs que voici, vous voyez déjà, vous connaissez la fécule de maïs, que vous allez ajouter à 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre et un demi-verre d'eau. Lavez bien votre visage avec de l'eau tiède et avec du savon neutre de préférence. Mélangez les 2 cuillères à soupe de fécule de maïs avec du vinaigre de cidre et ajoutez peu à peu de l'eau jusqu'à l'obtention d'un mélange dense, homogène et lisse. Appliquez ce masque sur tout le visage en faisant des légers massages circulaires. Laissez agir 15 ou 20 minutes ou du moins jusqu'à ce qu'il sèche sur votre peau. Puis lavez avec beaucoup d'eau froide. Pour plus de résultats, répétez ce masque 2 à 3 fois par semaine, surtout la nuit pour empêcher le soleil de vous toucher. C'est un traitement idéal pour nettoyer la peau rapidement en quelques jours. Vous remarquerez alors que votre peau deviendra plus claire, plus propre et les taches disparaîtront. Vous devez juste être constant dans votre traitement et aussi être patiente. De plus, les ingrédients sont très accessibles à tout le monde et cela ne coûte pas cher. Alors, le dernier masque est celui au lait, miel et fécule de maïs qui est également très efficace pour éclaircir la peau et faire disparaître les taches. Ingrédients, 1 cuillère à soupe de fécule de maïs,
une demi-cuillère à soupe de miel pur, 2 cuillères à soupe de lait et un grand bol. Préparation. Mettre la fécule de maïs dans votre bol et y ajouter peu à peu de lait jusqu'à l'obtention d'une pâte ferme et homogène. Puis ajouter votre miel et mélanger à nouveau. Application. Tout d'abord, vous devez laver votre visage avec de l'eau tiède afin que votre peau soit humide et sans impureté. Ensuite, appliquez le masque sur tout le visage à l'aide du bout des doigts et effectuez des légers massages circulaires. Laissez agir pendant 20 minutes et lavez votre visage avec beaucoup d'eau tiède. Ensuite, hydratez votre peau. Effectuez cette procédure 3 fois par semaine et de préférence la nuit pour éviter les effets indésirables des rayons du soleil. Avant de conclure, nous aimerons vous dire les incroyables propriétés de la fécule de maïs pour la peau. La fécule de maïs est un ingrédient de cuisine populaire dans le monde entier. C'est une fine farine extraite de la fécule de maïs, aussi connue comme l'amidon. Mais il a aussi d'énormes propriétés pour notre visage et notre peau, à tel point qu'il est connu au niveau cosmétique comme Botox naturel. Tous les masques de fécule de maïs que nous montrons vous donnent de bénéficier des avantages suivants. Rajeunir notre peau, éliminer et supprimer les taches du soleil ou bien dues à l'acné, de fermer les pores ouverts et les pores dilatés, enlever les boutons, leurs points noirs, hydrater profondément les cellules de notre peau. La fécule de maïs donne un visage radieux et sain, soulage l'urticaire ou alors l'irritation et les démangeaisons de la peau. Il est efficace pour calmer les coups de soleil, pour contrôler l'excès de graisse sur notre visage. Elle élimine également les pellicules et réduit la graisse des cheveux, contrôle la transpiration excessive. La fécule de maïs est l'un des ingrédients les plus bénéfiques pour notre peau. Alors n'hésitez pas à essayer l'un des traitements mentionnés dans la vidéo au moins une fois par semaine et vous ne serez pas déçu. Et si vous connaissez une autre façon de préparer des masques faciales à l'aide de la fécule de maïs que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, alors n'oubliez pas de partager avec nous dans les commentaires afin de renforcer ce contenu. Rappelez-vous que vous pouvez aider beaucoup de personnes qui ont ces problèmes mentionnés dans la vidéo, ceci seulement en partageant cette vidéo avec eux. Abonnez-vous à notre chaîne Marie Lonnie Coach, puis activez la cloche de notification. Likez, commentez et partagez. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.